dans cette vidéo, on est dimanche matin, il est aux alentours de 9h. J'ai commencé là-bas au bout, bon, j'ai ramassé quelques cochonneries que je vais vous montrer. Là, un capuchon, deux bouts de cartouche, ce truc bizarroïde. Et là, ma première découverte intéressante, bon, je ne l'ai pas encore regardé, mais il me semble que c'est un médaillon. Et il a l'air bien big, cool. Bon, il est très très encroûté et usé. Sans doute un médaillon religieux. Bon, il est beau, le format est original. Il est vraiment. Il doit faire 2-3 cm de diamètre. Ah ouais, il y a la Vierge là, ou Jésus, je vais frotter un peu. Voilà, joli, cool. J'aime bien ce genre d'objet, quoi. Voilà, sympa. Bon, je continue un peu là-dedans. Ici, je crois, en surface, là, on la voit dans la petite motte. Moi, bon, ça ressemble à un phénix. Ouais. Bon, c'est juste. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. En zinc. Bon, on voit quasiment rien dessus. Voilà, une minute après, dans ce trou, un phénix. Bon, je m'attarde pas là-dessus. Là, j'ai changé d'endroit, là je suis un peu plus loin. J'ai fait une longueur là, mais sans rien. Et là, première cible, un plomb de sac 00, dédicace à tous les rageux. Travée de maïs sans rien, là je suis allé quasiment au bout là-bas. Et dans ce trou, une trouvaille pour Tress, mon ami. Voilà, voilà, le maître de la dépollution et du fer à bœuf. Pas grand-chose, on se laboure. Et là, dans ce trou, il y a une monnaie qui vient d'être éjectée, elle est là. Et c'est une Lindauer. Elle est pour toi, Looping. Ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas détecté ensemble. Voilà, Lindauer pour toi, mon pote. À bientôt. Bon, c'est une... C'est une... Je sais pas combien de centimes. Là, toujours la même sortie, nouvel endroit. Premier trou, première monnaie, plaisir, elle est là, j'ai pas regardé encore. Ah non, c'est un médaillon, non c'est pas un médaillon, non c'est une monnaie. Bon, je sais pas du tout, on voit plus grand chose, je vais frotter un peu. Bon, elle a l'air bien, elle a l'air vraiment bien bouffée. Je sais pas. Bon, on dirait une romaine quand même. Pas mal. Bon, il y a de légers reliefs encore dessus. Ouais, pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est une romaine. Elle est très irrégulière sur la tranche. Cool. Là, on continue ici. Bon, j'essaierai de la nettoyer, mais j'ai peur qu'elle soit morte. La dernière monnaie était là, la sorte de romaine. Je fais aller 5-6 mètres, non, 3 mètres. Et là, nouvelle monnaie. Bien cool, bah, ça commence bien là-dedans, quoi. Ça ressemble à une napo. Et c'est une napo. Bah, cool. Ça fait plaisir quand on commence et que ça vient de suite, quoi. Voilà, cool, une 5 centimes. Elle est en assez bon état en dessous. Cool, je suis content. Là, je zigzague là-dedans n'importe comment. Et là, bien cool, bien cool. Regardez, ça a l'air un méga pavé, quoi. Oh, mais c'est quoi cette taille de monnaie? Oh, ah merde, j'ai mis un petit coup de pelle au centre là. Je sais pas du tout. On dirait un décime, mais j'en suis pas sûr. Bon, elle est ultra encroûtée, la terre est super accrochée dessus. Ouais, ça doit être un décime, un truc du genre. Dommage pour le petit coup de pelle là, je vais mettre un bon jeton, quoi. Ah, super, super cool, quoi. Trois monnaies déjà dans ce labour, je vais rester là, quoi. Voilà. Allez, encore. Là, le décime était par là, juste un peu plus loin. Là, j'ai fait un petit bouton qui m'a l'air d'avoir des restes pas mal. Bon, les objets sont vraiment
ont vraiment une bonne concrétion qui s'enlève pas en la frottant. Encore une monnaie juste là. Je crois que c'est un pfennig, enfin deux pfennigs. Mais pareil, elle est vraiment encroûtée. Bon, vu le format et les petits trucs que je distingue, c'est ça quoi. Bon, dans ce trou, bon, c'était bien profond, 20-25 cm. Cette boucle, pas mal. Ça fait un moment que j'ai pas trouvé de boucle. Sinon, bah, y a rien eu. Bon, pas mal de déchets quoi. Je vous montrerai après. Voilà, cool, elle est belle. Ici, double trouvaille là en surface, un fer à cheval, enfin un demi fer à cheval. Et juste à côté, là, j'ai pas encore regardé, un médaillon religieux, cool. J'aime bien. Bon, pareil, on voit vraiment pas les reliefs. Ouais, c'est en cuivre. On voit là une tête apparaître. Ouais, je sais pas ce que c'est. Allez, next. Là, je vais changer d'endroit. Bon, il n'y a plus rien eu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais vous montrer les merdouilles là que j'ai ramassées. Voilà, tout ça, des fer à beuh, de la merdouille, des cartouches. Voilà, toute cette cochonnerie. Bah, je vais aller, je sais pas encore où. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut. Ce serait cool. Pouce, ça fait toujours du bien. Encore un changement d'endroit, je suis garé là derrière le petit bosquet d'arbres. Voilà la zone. Et ici, mon premier son, ça a l'air une magnifique trouvaille quoi. Pouah, j'adore. C'est une sorte de déco, moi j'ai pas regardé encore. Magnifique avec des motifs floraux dessus. Superbe objet, je sais pas à quoi ça pouvait servir. Sorte de pendeloque, je sais pas quoi. Super beau quoi. Classe. Voilà, très beau. Suivante. Voilà, ici, nouvelle découverte, elle vient de sortir, elle est là. Et apparemment, c'est une napo. On va regarder ensemble. Ouais, elle est magnifique. La patine a l'air un peu fragile. Oui, une napo. Ah non, elle est belle. Elle est vraiment super belle. Ah waouh! Je crois que c'est une des plus belles que j'ai trouvées. Oui, encore tous les reliefs. Superbe. Superbe. Regardez les détails encore. Tout est parfait quoi. Classe. J'arrive pas à lire, il faut que j'investisse dans des lunettes. 1853 apparemment. Et l'atelier, je le vois pas. Belle monnaie en tout cas, super belle patine. Cool. Voilà, nouvelle trouvaille ici. Un bel objet en forme de goutte, enfin de pointe. Derrière, c'est lisse, ça devait être une attache de quelque chose. Une déco, très beau motif dessus. Bon, là, on voit pas bien avec la tare. Beau. Merde, il y a un truc qui me pique. Beau, bel objet. Et là, dans ce trou, quasiment en surface, j'ai trouvé cette boucle. Bon, qui m'a l'air quand même moderne, c'est en alu. Une forme assez étrange. Enfin, je pense pas que ce soit une boucle, plutôt une sangle, un truc qui. Je sais pas quoi. Alors ici, j'ai trouvé très profond, là, 30 cm, ce machin énorme. Je sais pas du tout ce que c'est. Sans doute un truc agricole, mais j'en suis pas sûr. Ça ressemble à du militaria. Aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre un petit com. Il y a des petites ailettes là au bout. Et là, voilà, il y a cette partie ouverte, quoi. Ici, une trouvaille à vue. Mais bon, fallait vraiment le voir, quoi. C'est un petit soldat en plastique. Sans tête. Et il a une sorte de plan dans la main. Marrant quoi. Ouais, belle trouvaille ici, c'est cool. J'ai déjà vu ce que c'était, il est là. Ah pardon, il y a une mouche qui m'embête. Un grelot. Et il a l'air bien entier, cool. Ouais, ça fait une éternité que j'en ai plus fait. Joli.
Normalement, il y a un numéro dessus. Bon, j'ai mis un tout petit coup de pelle. Ouais, il est en bon état. Il y a la bélière encore et tout. Superbe. On a juste changé de main. Je frotte un peu. Bon, je vois pas de numéro. Je sais pas s'il y en a un dessus. Chouette, il est nickel. Cool. Juste là, un petit Numus. Bon, je l'ai déjà un peu frotté. Il est relativement savoureux. Ça fait plaisir. Bon, ouais, il y a vraiment plus grand-chose dessus, quoi. Comme souvent pour les Numus. Voilà, bon, quoique de ce côté-là, on voit encore la tête d'Adrien, je sais pas comment il s'appelle. Ok, cool, je continue un peu.